Bien, sans tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos livres, dans nos Bibles, dans l'évangile de Luc, le chapitre 1. Luc, chapitre 1, nous lirons à partir du verset 5 au verset 25 et nous allons sauter pour lire à partir du verset 67 à 80. Luc 1, à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. » L'ange répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice de tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts
jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Nous te louons ce matin pour ta présence. Nous t'exaltons encore pour cette parole ce matin. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, Seigneur, que je diminue et que tu grandisses. Parle à ton peuple ce matin, au travers de ma modeste personne, comme un canal, un porteur de bénédiction pour ton Église ce matin. Console celui qui a besoin de consolation. Guéris celui qui attend sa guérison ce matin. Relève celui qui était tombé et donne de la force à celui qui est engagé dans la course. Au nom de Jésus, amen. Je viens ce matin avec une parole d'encouragement. Au premier culte, mon pasteur disait ceci, que ce dimanche 29 décembre 2019 ne se répétera plus dans l'histoire. C'est un dimanche qui est en train de partir et ne reviendra plus. Et je disais ce matin que certainement, parmi nous, il y a des gens qui sont en train de célébrer ce que le Seigneur a fait dans leur vie tout au long de l'année 2019. Puisque ce fut l'année de l'établissement divin, certainement il y a des gens qui sont déjà établis et qui sont en train de se réjouir du fruit de leur établissement divin. Je voudrais vous encourager ce matin de continuer à chanter, à exalter, à glorifier le nom de celui-là qui vous a établi. Le nom de celui-là qui a permis que vous êtes en train de savourer ce fruit de votre établissement divin. Faites-le savoir à tout le monde qu'il y a un Dieu qui vit, qu'il y a un Dieu qui existe et que vous croyez en lui parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Faites savoir à tous ceux qui vous minimisez, ceux qui pensaient que vous n'alliez jamais être quelqu'un, qu'il y a un Dieu en qui vous croyez et qu'il est capable de le faire. Faites savoir à tous ceux qui se moquaient de vous, lorsque vous portiez votre semence avec des larmes, avec des pleurs, qu'aujourd'hui, vous revenez avec un chant d'allégresse. Faites-le de tout votre cœur, parce que ce jour est en train de passer. Ce jour est en train de passer. Mais il y a également parmi nous ceux-là qui ne sont pas encore établis, qui peut-être en regardant le nombre de ceux qui sont déjà établis, commence à perdre courage, commence à perdre espoir, pensant que c'est fini. Ça va devenir comme l'autre fois. Je ne suis pas encore choisi cette fois-ci. Oh, peut-être que le Seigneur m'a oublié. Ils sont même préoccupés de ces situations, au point où ils ne se rendent même pas compte que nous sommes le 29 décembre aujourd'hui. Si le diacre n'avait pas fait mention que nous sommes le 29 décembre, ils seraient toujours focalisés sur leurs problèmes. Ils seraient toujours en train de se lamenter. Je viens ce matin avec un message d'encouragement pour te dire, après tous ces efforts que tu as fournis, après toute cette obéissance durant l'année 2019 et que tu n'as rien vu encore se passer, Dieu te dit ce matin qu'à cause de ton obéissance, je t'établis. À cause de ton obéissance, je t'établis aujourd'hui. À cause de tes efforts, à cause de ta permanence, à cause de ton assiduité, je viens ce matin pour t'établir. T'établir peut-être comme père, ou même t'établir comme mère, ou même t'établir comme entrepreneur. T'établir dans ton domaine, je viens ce matin pour le faire. Parce que j'ai vu ton effort. J'ai vu ton engagement, j'ai vu ta détermination, j'ai vu ton sacrifice. Le Seigneur veut te dire ce matin que je viens pour t'établir. Tu penses que je viens en retard, mais je ne viens pas en retard. Je viens au moment même que j'ai choisi, qu'il était opportun pour moi maintenant de venir confirmer ton établissement divin. Cela peut se passer ce matin. Il y a des circonstances dans lesquelles beaucoup de personnes vont même penser abandonner parce qu'ils ont pensé avoir tout donné à Dieu et Dieu ne leur donne rien en retour. N'abandonne pas. Garde ta foi. Reste serein. Reste ferme et attends parce que ton tour viendra aussi de célébrer comme les autres sont en train de le faire. Jusqu'au 31 décembre, il y a encore possibilité que ton Dieu te visite.
Il y a encore possibilité. Peut-être que durant ce culte, tu vas commencer à chanter avant de sortir. Tu seras même un sujet de scandale pour les autres lorsqu'ils te verront en train de chanter. Lorsqu'ils te verront élever les mains vers le ciel, ils se diront, qu'est-ce qui va dans sa tête? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Mais c'est parce que le Seigneur vient de te visiter. Même si tu es encore dans la fosse au lion, il est capable de te trouver et de te relever, de t'élever. Même si tu as été jeté dans la fournaise, il est capable d'entrer là. Tu ne vas même pas aller tout seul, tu vas le trouver lui-même là, en train de te recevoir pour t'élever de là. Et permettre même à ceux qui t'y ont jeté de glorifier son nom à lui. Parce que lui est capable de te tirer de toutes les situations. Bien-aimé, je viens ce matin te dire, ne considère pas la victoire des autres. Ne la regarde pas. Cela est pour eux. Cherche la tienne. Cherche encore Dieu. Attends ton tour pour chanter celui qui est capable de donner. Il viendra et il le fera pour toi. Je disais ce matin, fais comme Anne. Même lorsque tu scandalises les autres par ta prière, par ta louange, au moment d'être même méprisé par le pasteur, qui peut-être ne reconnaîtra pas ta manière de prier aujourd'hui, qui dira, est-ce que tu es venu à l'église aujourd'hui alcoolisé? Est-ce que tu es venu aujourd'hui ivre? Pasteur, ne me compare pas avec cela. J'ai une douleur que je viens ce matin exposer devant la présence du Seigneur. Seul lui est capable de me tirer d'affaire. Seul lui est capable de changer ma situation. Je suis toujours, pasteur, cette même fille, cette même dame, ce même fils que tu connaissais dans le passé. Je n'ai pas changé. La seule chose est que j'ai une douleur dans mon cœur. Et il te dira certainement, comme Élie disait à Anne, pardonne-moi ma fille, je ne savais pas, mais que le Seigneur t'entende, qu'il te fortifie, qu'il te donne ce que ton cœur recherche. Le Seigneur va le faire pour toi. Il est capable de le faire ce matin. Sois comme Anne, laisse Pénina te mépriser, laisse-la se moquer de toi, parce que quand ton tour de chanter viendra, elle sera la première à danser avec toi ensemble. Je disais ce matin, comme l'arbitre de match de football est capable de donner une prolongation aux deux équipes pour qu'il y ait un vainqueur, ton Dieu est capable de te donner la prolongation. Ce n'est que le 29 décembre. Il y a encore des jours qui restent. Il y a encore des heures qui restent pour que tu puisses arriver à ta victoire. Que tu puisses également chanter. Et tu vas chanter certainement. L'histoire que nous avons lue nous parle de cet homme de Dieu, Zacharie. La Bible même témoigne qu'il était un homme juste. Il était pieux, lui et sa femme. Ils étaient engagés dans l'œuvre de Dieu, nuit et jour, sans reproche, sans faute. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était de servir le Seigneur. Et les épreuves peuvent aussi arriver à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui marchent avec le Seigneur. Les épreuves ne sont pas seulement pour ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. C'est pour prouver également combien nous aimons le Seigneur. Et voilà ce couple avancé en âge qui ne pouvait plus avoir d'enfants, même déclaré par les médecins que c'est trop tard. Continuez votre vie de couple, votre vie de famille, votre vie de servir le Seigneur. Vous avez beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Pour le domaine biologique, oubliez cela. Ils ne se sont même jamais préoccupés de cela. Ils n'ont jamais fait de cela un souci. Ils n'ont jamais fait de cela un grand fardeau parce qu'ils croyaient en Dieu. Pour eux, tout ce qui était la priorité, c'est d'avoir le privilège de servir le Seigneur dans sa maison. D'être compté parmi ceux-là qui adorent le Seigneur de tout leur cœur. Il voulait être compté parmi ceux qu'on pouvait dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est cela qu'il cherchait. Et jour et nuit. Oui, il y avait certainement cette requête de prière dont les Sénégalais ont oublié de poser au pied du Seigneur, mais eux l'ont posée au pied du Seigneur. Ils avaient le désir d'un enfant.
Et certainement, il ne cessait de le prier à Dieu. Et un jour, l'histoire nous dit que Zacharie entra dans le temple pour présenter les offrandes. Et voilà une apparition qu'il n'a peut-être jamais eue auparavant. Il fut troublé. Et l'ange va lui annoncer cette bonne nouvelle. Parce que tu as été un homme fidèle. Tu as été un homme obéissant. Quelqu'un qui observait les préceptes de Dieu. Je viens aujourd'hui pour t'établir père. Tu seras père d'un enfant. Zacharie disait, mais le docteur Alvin m'avait déjà dit que ça n'en valait plus la peine. Oh, le docteur Steve, même j'étais là-bas. Ils m'ont tous confirmé que cela ne valait plus la peine. Comment cela se fera-t-il? Il se retrouvait aussi parmi ceux-là qui oubliaient même qu'aujourd'hui c'est le 29 décembre en disant, ah, je pense que c'est fini. Je ne serai plus sélectionné pour cette année. Ah, réjouissez-vous, vous qui êtes déjà établi. Pour moi, je pense, non, je n'ai pas la chance. Ce n'est pas une question de chance. Ton tour viendra. C'est quelque chose déjà arrêté du souverain Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Et tu vas célébrer. L'ange va lui dire, je viens de la part de Dieu pour te dire qu'il t'établit père. Tu seras père d'un enfant. Il t'établit. Et tu le seras. Et parce que tu ne crois pas, tu ne pourras plus fermer. Parlez. Je ferme ta bouche jusqu'à ce que cela arrive. Mais une chose que je voulais qu'on observe ici, leur justice, leur obéissance, leur ouvrait la porte à l'exaucement. Quand on est juste, on voit la justice partout. Même lorsque nous sommes pointés du doigt, nous rions et disons, malgré qu'ils m'accusent, moi je vois la justice. J'en souffre aujourd'hui, mais demain, ils reviendront proclamer ma justice, déclarer que j'avais raison. Quand on voit la justice, on regarde les autres avec justice. Nous ne sommes pas pressés que cela arrive. Nous attendons le temps de Dieu lui-même. Et ils attendaient cela. Est-ce que nous nous considérons justes pour être établis divinement? Est-ce que nous murmurons? Cela deviendra un obstacle à notre établissement. Voilà un couple qui pouvait écouter beaucoup de suggestions. Nous connaissons tous le continent d'où nous venons. Nous avons tous la même culture africaine. Ils sont mariés, pas d'enfants. Les familles de l'homme commencent à pointer du doigt la femme. Tu as vu la vieille que tu es allé marier? Tu as commis une erreur. Tu n'aurais pas dû. Nous t'avions proposé même la fille de telle. Celle-là aurait pu te donner beaucoup d'enfants. Et la famille de la femme, tu savais déjà, non? Tu savais déjà. Il était déjà fatigué lorsqu'il est venu te proposer le mariage. Nous t'avions même suggéré ce jeune docteur, mais tu ne voulais pas. Et voilà la situation dans laquelle. Mais les deux, à cause de leur justice, à cause de leur crainte de Dieu, ils n'ont jamais prêté attention à ses paroles. Ils étaient vraiment un dans leur mariage. Ils cherchaient Dieu. Ils n'avaient d'amis que ceux qui avaient la crainte de Dieu. Ils étaient certainement comme David. Cet homme dont plusieurs personnes voulaient avoir comme ami. Chacun pouvait se lever et dire, je suis ami de David. Mais lui faisait la sélection de ses amis. Au point où un jour il disait, je suis dans la joie. Seulement je suis dans la joie quand un vrai ami me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est cela les amis de David. Ce couple aussi avait fait de Dieu leur meilleur ami. Dieu nous prive de cela, mais n'empêche, nous allons l'adorer. Nous allons le servir. Quel que soit notre âge avancé, c'est ici où nous allons servir le Seigneur. Ils se sont mis à servir le Seigneur jusqu'à ce que tout s'est accompli. Les autres pensaient que Zacharie n'allait jamais entendre « Papa, papa, amène-moi jouer. »
qu'Élisabeth n'allait jamais donner le sein à quelqu'un. Mais le jour-là, quand tout s'est accompli, même les parents qui critiquaient à la nouvelle qu'Élisabeth a donné naissance à un garçon, venaient déjà commencer à danser, commençaient déjà à chanter, commençaient même à suggérer un nom. Mais le disaient, attendez d'abord, pas à vous de donner un nom. Cet enfant est né pour un objectif. Il est né pour quelque chose. C'est un élu de Dieu. Il a même déjà été établi. Il a même déjà été rempli du Saint-Esprit dans mon sein avant ce jour-là. Il s'appellera Jean parce qu'il doit servir le Seigneur. C'est un missionnaire. Il est destiné à réconcilier les cœurs des fils envers les cœurs des pères, à ramener tout ce qui était éloigné de Dieu de sa présence. Je viens dire à quelqu'un ce matin que les temps ont passé. Tout est noir devant toi. Tu regardes les autres et tu te disais, pourtant j'étais mieux qu'eux. Que s'est-il passé que la situation s'est renversée? Qu'ils sont devant moi. Laisse-les partir. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose dont tu ne connais pas. Et quand ton tour de chanter viendra, ah, ils viendront t'aider à chanter. Tu seras même un sujet de scandale pour eux, parce qu'ils ne t'ont jamais vu chanter de cette manière. Zacharie n'avait jamais été connu comme un chantre. Il n'était pas un lévite, c'était un sacrificateur. Mais lorsque cela s'est accompli, il s'est mis à chanter au travers de cette prophétie. Il louait le Seigneur, peu importe sa voix. Les gens pouvaient dire, mais il a dégamé, il n'est pas dans la note. Mais lui était en train de chanter. Il était dans la présence de Dieu, en train de le louer pour ce qu'il a fait. Je viens te dire que peu importe ta voix, mais le jour où tu vas élever la voix pour chanter, ils viendront et ils seront témoins des grandeurs de Dieu. Ils seront là pour t'aider à chanter. Et tu vas le faire pour la gloire du Seigneur. Il n'était pas lévite, mais il a chanté quand même pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas la voix qui compte, mais c'est ce qui sort du cœur qui compte pour le Seigneur. Laisse-moi te rappeler que David était connu comme ce grand roi. Avec tout son prestige, toute son élégance. Mais le jour où l'arche a quitté la maison d'Obed-Edom pour entrer dans la cité de David, oh, sa femme a découvert que son mari avait un talent caché. Waouh, la présence de Dieu venait de revenir dans la cité de David. Lorsqu'il l'a aperçu, il s'est levé et s'est mis à chanter. Il s'est mis à danser. Gloire à Dieu qu'ils n'ont pas laissé l'arche tomber. Parce que peut-être d'autres auraient voulu l'arrêter pour lui dire, « Oh roi, qu'est-ce que tu fais ?» Mais ils ont certainement compris ce qu'il faisait. Et sa femme, certainement, a ri pour la première fois, dire, « Je ne savais pas que tu avais ce talent. » Mais quand même, honte à toi. Comment toi, le roi, tu peux faire cela devant le peuple? Et il disait, « C'est parce que tu ne comprends pas. Pour moi, ce jour est différent de tous les autres jours. Pour moi, ce jour est un jour d'allégresse. C'est un jour de danse. Et je pourrais même faire plus que ça. Il y a d'autres que je n'ai pas fait, que je pourrais faire dans la présence du Seigneur. Je voudrais te dire ce matin, patiente seulement, avec obéissance. Reste dans cet esprit d'adoration. Adore Dieu de tout ton cœur, nuit et jour, car ton tour viendra de chanter certainement. Il n'a pas encore oublié. Il voit ta situation et il viendra certainement. Ah, j'aimerais encore l'appeler le souvenir de Siméon. Ce vieillard qui attendait la consolation d'Israël. Les années passées, beaucoup de gens de sa génération mouraient. Ils allaient dans la présence de Dieu. Et il était là encore. Il pouvait même tout abandonner et dire, je pense que Dieu ne viendra pas. Mais il a attendu avec fidélité dans le service du Seigneur. Il était irréprochable.
allant à l'église, à la maison. Peut-être qu'il allait aussi à l'école, mais il revenait toujours dans la présence du Seigneur. Jusqu'au jour, poussé par le Saint-Esprit, il venait à la maison de Dieu pour l'adorer. Et là, il rencontre le Messie promis. Il va le prendre dans ses bras, l'adorer. Ah, il était certainement épuisé d'attendre, mais ce jour a ravivé encore sa foi dans le Seigneur. Ce jour a ranimé encore sa force. Il a adoré le Seigneur, certainement comme il ne l'a jamais fait. Il pouvait dire à Dieu maintenant, après que j'ai jubilé, après avoir célébré ce que tu m'as fait voir, laisse-moi maintenant aller en paix. Je viens dire à quelqu'un, tu vas le voir. Tu vas le toucher de tes bras. Ce que tu attendais depuis ces années. Je sais d'où je viens. Je sais ce que le Seigneur a fait de moi. Je sais ces années-là de sécheresse. Qu'un jour, lorsque je quittais ce temple pour partir comme missionnaire, je pouvais sourire au fond de moi-même et dire, les années de ma sécheresse sont terminées. J'ai souffert, mais j'ai attendu. Il y a des moments où je venais à l'église 4 fois ou 5 fois dans la journée, à la maison, revenir. Ma mère me disait même, je sais que même tes responsables ne vont pas à l'église de la manière dont tu vas. Je dis, ce n'est pas la même chose. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Je cherche pour trouver. Je faisais une blague un jour à des gens, je dis, quand je marche dans ces ruelles de Dieupeul pour aller à Grand Yoff, je reconnais encore les pas de mes pieds ici. Tellement que j'ai marché de Grand Yoff à l'église, de l'église à Grand Yoff. Aujourd'hui, le Seigneur a fait passer cela. Je viens dire à quelqu'un aussi qu'il va faire tourner ta page. Il va te donner une nouvelle page avec une nouvelle histoire. Les gens qui pensaient que tu n'allais jamais arriver là viendront célébrer avec toi et même te demander le chemin pour pouvoir aussi y aller. Sois ce témoin-là. Sois cette personne-là. Laisse le Seigneur faire. Obéis seulement à ce qu'il te dit. Voilà ce grand Abraham, ce père de la foi, qui attendait la naissance d'un fils, qui un jour après l'avoir obtenu, il entend encore une demande. Donne-moi ton fils, l'unique que tu as. Quelle obéissance encore ai-je pas fait, Seigneur? Que n'ai-je pas observé dans ma relation avec toi? Après avoir attendu tant d'années, tu viens me consoler avec ce fils et te voilà encore en train de le demander. Quelle vie devrais-je mener maintenant? Il essayait certainement de se lamenter pour trouver une grâce. Mais le Seigneur était campé sur sa position. Donne-moi ce fils-là. Donne-moi, va et sacrifie-le pour moi. Il était déjà accoutumé à l'obéissance. Ce n'était pas quelque chose de difficile parce qu'il avait déjà fait beaucoup. Lorsqu'il s'en va au lieu du sacrifice, au moment où il levait la main pour sacrifier le garçon, il entend encore la même voix. Abraham, Abraham, arrête, ne le fais pas. Maintenant, je vois que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Théologiquement, c'est une contrainte. Parce que nous tous croyons que Dieu est omniscient. Comment se fait-il que maintenant il dit à Abraham, maintenant je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il le mettait à l'épreuve encore. Je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu sait l'épreuve que tu traverses. Même s'il ne dit rien, le moment viendra où il va t'appeler pour te relever, pour t'enlever de cette situation, que tu puisses aussi le glorifier comme tu ne l'as jamais fait dans ta vie. La Bible dit que la bonté de Dieu ne tarit jamais. Chaque matin, quand le soleil se lève, et brille. Il ne brille pas seulement sur les justes. Il brille aussi pour les injustes. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Je parle peut-être à quelqu'un ce matin.
suis venu simplement pour toi. Je ne peux peut-être pas citer ton nom, mais tu te connais et tu sais ce que tu traverses. Je viens te rappeler ce matin que Dieu dit qu'à cause de ton obéissance, à cause de ta persévérance, à cause de ton assiduité dans sa maison, il vient ce matin pour t'établir, t'établir dans ton domaine. Peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, il vient ce matin t'établir. Dans tes études, Dieu t'établit le major des majors. C'est lui qui le fait, pas personne d'autre. Pour même permettre à ceux qui n'acclamaient jamais d'acclamer ce roi-là qu'il ne connaît pas. Jamais quand il acclamait, il ne savait pas ce qui l'a poussé à le faire. C'est parce que quelqu'un a agi quelque part. Tu n'es pas à la fin de la situation. Dieu a encore le dernier mot. Il a encore le dernier mot. Et lorsqu'il va siffler, ton tour viendra. Nous avons cette expression en wolof qui dit que ndieke dugu geew taxul ndieke fetch. Être le premier à entrer dans le cercle de la danse ne veut pas dire que tu es le meilleur danseur. Commence seulement à danser. Quand je viendrai, tu vas me céder le cercle. Parce que ce sera mon tour de démontrer mes talents. Je dis à quelqu'un, laisse tes talents dormir. Parce que le temps n'est pas encore venu de les montrer. Quand ça viendra, tu vas le montrer. Les gens viendront, ils verront. Et diront, mais tiens, nous ne savions pas qu'il était aussi un danseur. Mais tu vas le faire.